Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre les petits messages pour le week-end. Donc ça sera pour ce vendredi 17, 18, 19, si les dates sont bonnes. En tout cas, c'est pour le vendredi, samedi et dimanche. Et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci, merci, merci pour tout. Alors, on va commencer. Donc, pour le vendredi, samedi et dimanche, je vais prendre ce magnifique oracle. Et on va commencer avec celui-ci. On va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre comme message. Allez! C'est parti. Alors, quels sont les petits messages à transmettre? Alors, en tout cas, déjà, durant ce vendredi, samedi, dimanche, pour une personne, on parle de compromis. Vous allez sûrement pouvoir faire des compromis, peut-être mettre des négociations, faire une conciliation, avoir une conciliation avec une personne. Et ça va vous apporter de la chance. On me parle en tout cas de correspondance entre vous et une personne. Ça peut être lié à un contrat de mariage, un contrat immobilier, ça peut être un contrat professionnel, mais actuellement c'est bloqué. Vous avez peut-être pas, vous pouvez peut-être pas, vous avez peut-être pas l'opportunité de pouvoir compromettre, négocier ou concilier quelque chose. Mais durant ces 3 jours, en fait, vendredi, samedi, dimanche, il y a de la chance, une énergie de chance qui arrive à vous. Et vous allez correspondre. Je vois énormément de correspondances. Ça peut être des correspondances qui arrivent chez vous. Ou alors des correspondances et des compromis qui arrivent à vous liés à un bien immobilier. Ou alors c'est des correspondances qui arrivent. Pas, c'est pas un bien immobilier, c'est les correspondances qui arrivent chez vous. Ça peut même être des correspondances en fait où vous allez compromettre avec cette personne. Vous allez dire, je vous vois dire à cette personne que vous allez pouvoir établir en fait une signature. Et ça va vous mettre en joie, en énergie positive. La santé va revenir, le bien-être aussi. Parce que ça peut être très très compliqué en fait. Hein, très très compliqué. Il peut y avoir énormément de problèmes, de soucis. Un terrain de mauvaise entente, mais je vois des discussions qui approchent de vous et vous allez réussir. Mais je vois que vous serez pas très très tranquille, pas très très calme, pas très très serein, sereine. En fait, je vois autour de vous qu'il peut y avoir énormément d'instabilité. Hein. Il peut même y avoir, peut-être si c'est lié à un bien, l'instabilité liée à quelque chose que vous avez hérité. Et par rapport à tout ça, il y a un changement qui est bloqué. Mais je vois une énergie de change et un déblocage. Hein. Alors bien sûr, comme toujours, hein, c'est du général. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Et comme toujours, je ne sais jamais sur quoi ça porte. Donc on le découvre ensemble. Hein. Allez, je prends ce magnifique oracle et on y va avec celui-ci. Allez, c'est parti. Allez. Quels sont les petits messages à transmettre pour ce vendredi, samedi et dimanche, s'il vous plaît? Alors là, ok, alors ici, pour une personne, vous êtes peut-être en procédure judiciaire actuellement. Ça peut être lié à du professionnel, à du sentimental, du relationnel, bon, tout type. Hein. Parce que comme c'est du général, je préfère voilà, tout citer. En tout cas, je vois que vous êtes peut-être actuellement en pleine procédure. Et durant
durant ce week-end. Et en fait, cette procédure fait que, voilà, c'est dans vos pensées, mais en tout cas, il y a une procédure en fait qui fait que ça vous déséquilibre pas mal sur le plan émotionnel pour moi, physique, peut-être psychologique. Et en fait, ça me déséquilibre hein, à l'intérieur de vous. Et peut-être à l'extérieur de vous, vous êtes peut-être poussé en fait à être en déséquilibre aussi. Vous avez peut-être des douleurs, donc vous prenez plus de médicaments qu'il ne faudrait. Plus de café parce que vous dormez pas la nuit. Voilà, il peut y avoir des, voilà, tout type d'addiction. Donc c'est peut-être lié à une procédure, mais je vois quelque chose qui va s'arrêter en fait. Vous allez sortir des addictions pour moi et il y a une procédure qui va s'arrêter. Ou alors c'est le fait d'acter une procédure qui va arrêter en fait ce mécanisme, hein, ce mécanisme d'être dans les addictions, d'être dans un déséquilibre qui peut être intérieur et se répercuter extérieurement aussi. Je vois en tout cas des choses qui sont en cours, hein, qui sont en cours pour vous au niveau d'une procédure future ou d'une procédure actuelle. Et je vois quelque chose qui est en cours durant l'année. Donc pour moi, ça va se clôturer durant cette fin d'année. Je vois que vous avez tous les honneurs, le succès, la réussite. Une chose de très positive sur cette fin. Sur quelque chose aussi qui est en procédure pour moi. Vous pouvez être cette personne, un homme sage, avec une grande sagesse, avec une grande réflexion, une grande maturité, ou alors c'est un grand-père autour de vous, ou dans l'au-delà, qui veille sur vous, qui vous accompagne, qui vous appuie, qui vous soutient, qui apporte une écoute attentive auprès de vous. Et je vois que vous allez, il va y avoir une fin aussi sur vos addictions. Ça peut aller, voilà, pour moi, avant la fin de l'année. Hein, avant la fin de l'année, vous pouvez habiter dans une ville. Et avant la fin de l'année, en fait, je vois que vous allez sortir de tout ça. Et en fait, vous allez pouvoir lancer de nouveaux projets. Et ce sera des projets chanceux dans la réussite, avec un succès de la réussite en vue. C'est comme si peut-être que toutes ces choses-là qui sont alors volontaires, involontaires, ça peut être de votre part ou des événements, des situations qui sont autour de vous, des personnes, qui fait que ça porte un gros déséquilibre. Et peut-être même quelque chose, un terrain malchanceux quand même. Mais je vois un équilibre qui va arriver à vous avant la fin de l'année pour moi, et ça serait quelque chose de chanceux, d'hasardeux. Et pour moi, c'est cette personne dans l'au-delà, ou autour de vous, un grand-père, ou vous-même en fait, qui allez bâtir, hein, bâtir peut-être de nouveaux projets, ou rebâtir de nouveaux projets. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je vois un équilibre qui arrive, en tout cas, c'est en cours. Hein. Ouais, regardez, vous allez vous élever, hein. Vous allez vous élever. Avant la fin de l'année, vous vous élevez sur un projet. Pour moi, un projet qui vous tient à cœur. Vous allez vous élever aussi de cette procédure actuelle ou future. Vous allez vous élever aussi de ces petits déséquilibres volontaires, involontaires d'addiction. Et il y a beaucoup de choses qui sont en préparation pour vous, hein, de la part aussi de vos guides, hein, de vos anges. Et vous allez vous élever vers la réussite, la joie, le bonheur, la chance. Ouais, actuellement, en fait, il peut y avoir. Vous pouvez peut-être, si c'est une procédure judiciaire actuelle, il peut y avoir des l'administratif qui est bloqué ou retardé. Actuellement. Ou très prochainement. Il y a, en tout cas, il y a de l'administratif qui est bloqué pour moi. Mais vous allez vous élever. Vous allez vous élever de cette situation, ça va se débloquer. Ouais, et c'est ça en fait qui permet pas que vous puissiez atteindre voilà, le calme, la paix, la sérénité et de repartir sur des choses nouvelles.
Donc vous êtes peut-être un peu peiné, vous avez peut-être un manque de joie, mais ça va revenir, hein. Et vous êtes en fin de cycle, hein. En fin de cycle, ça peut être dans votre domaine sentimental. Mais je vois un cadeau qui va arriver à vous. Peut-être que vous allez repartir sur quelque chose très très vite après, en fait, après cette fin de cycle. Parce que c'est comme si que durant ce cycle avait été long pour vous. Mais vous avez peut-être réussi à vous auto-guérir de beaucoup de choses et vous allez pouvoir vous relancer en fait dans votre sentimental, dans une autre relation avec une autre personne. Et je vois une élévation, un projet chanceux. Il va y avoir la chance aussi peut-être sur un blocage administratif qui vous peine, hein, qui vous perturbe. Mais voilà, pour moi, avant la fin de l'année. Tout sera remis en équilibre et tout sera en ordre. Voilà. Voilà. Bien. Alors, on va prendre ensuite un petit message avec ce magnifique oracle et on y va avec celui-ci. Alors ici, il y a une personne qui est guidée. Hein. Vous êtes peut-être guidée, vous recevez peut-être des messages de la part de vos guides. Peu importe, ça peut être dans les rêves, ça peut être des synchronicités, ça peut être beaucoup de choses que vous recevez de la part de vos guides. Hein. Peut-être qu'on vous dirige en fait, vous vous sentez en fait fortement poussée en fait peut-être à aller, de devenir indépendant, indépendante. En tout cas, je vois des guides derrière vous hein, qui vous poussent, hein, qui vous poussent à ça. Ouais. Mais en fait, d'être indépendant ou indépendante pour vous, ça peut représenter vraiment une terre inconnue. Mais vous allez être guidé, vous allez protéger, c'est comme si vous alliez être propulsé en fait vers une terre inconnue, hein. Vous allez peut-être vous auto. Ouais, voyez. Vous allez être attiré par ça, ou vous êtes déjà attiré par ça, par être indépendant dans n'importe quel secteur hein, professionnel. Mais voilà. Je pense que vous avez une très très grande attraction pour devenir indépendant ou indépendante et aller conquérir en fait une terre inconnue. Et vous sentez, hein, vous êtes aspiré, aspiré par ça. Et vous allez peut-être, on vous dit d'être calme, hein, d'être calme par rapport à ça. Peut-être de méditer encore sur cette situation, sur votre situation, de vous détendre et de vous relaxer. Ouais, parce qu'en fait, avec ce projet d'indépendant, de terre inconnue, vous allez rentrer dans des énergies en fait de beauté de la vie. Vous allez voir la beauté de la vie en fait partout. Et ça va être magique pour vous. Hein. C'est magique. Vous voyez peut-être cette indépendance professionnelle comme magique. Et on vous dit de rester dans la sagesse, de méditer, de réfléchir, de vous détendre, de vous relaxer. De toute façon, il y a des choses magiques qui arrivent à vous aussi, en terre inconnue, liées aussi dans le futur, en fait, à ce statut d'indépendant, professionnellement. Et c'est comme si, en fait, peut-être que vous résistez, mais en fait, la magie va être plus forte que tout et vous allez vous laisser... C'est comme si là vous disiez un petit peu non, non à vos guides, mais en fait vous allez vous laisser, ouais, voyez, bloqué dans des réflexions. Vous êtes bloqué dans des réflexions liées à toutes ces choses, mais on vous dit d'être calme, de vous relaxer, de peut-être réfléchir encore un petit peu. C'est comme si votre décision était prise. Peut-être que vous retenez un petit peu les choses, mais vous sentez qu'il y a une présence au-dessus de vous, hein, plus forte que tout, et on vous pousse, hein. Vous pouvez bloquer, vous bloquer en fait. Vous doutez peut-être. Vous doutez peut-être.
Vous avez peut-être des fois des baisses de confiance en vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, mais vous allez prendre, lié à ce projet, vous allez prendre une décision importante. Hein. Et je vois une libération pour vous. Je vois une décision importante. Vous allez prendre une décision importante pour moi cet hiver. Et je vois une libération. Regardez, vous avez la réussite. Hein. Et vous allez renaître. Renaître professionnellement. Vous allez avoir une renaissance cet hiver. Une grande transformation professionnelle. C'est comme si vous alliez peut-être renaître en hiver. Il y a une transformation qui va opérer très vite. Et vous allez renaître très vite en fait. C'est comme si vous alliez enchaîner tout très vite. En tout cas, je vois des habitudes saines, vous serez bien. Vous vous sentirez bien. Ni trop stressé, en équilibre. Ni trop stressé, ni trop... voilà, vous vous sentirez bien. Bah oui, regardez, vous serez comme un animal épanoui. Et on vous dit de vous attendre à l'inattendu lié à la naissance de ce futur projet. Parce que vous allez avoir un très très bel équilibre. Je vois un réseau. Peut-être que vous allez monter un réseau aussi lié... vous aurez un très grand réseau. Je vois beaucoup d'appels en fait. Un très grand réseau pour vous. Hein. Alors attention, il pourrait y avoir des trahisons, des retours de trahison, peut-être vers vous, liés à des collègues. Parce qu'ils vont ressentir pour moi qu'il y a énormément de choses qui changent, cette transformation, cette renaissance. Et ça peut vous fatiguer, vous perturber le retour de ces personnes, mais ça sera sur un temps limité, donc ça ne sera pas très très... pas très très long pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va prendre un petit message. Alors attendez. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, on va prendre un petit message. Attendez. Hein. Avec le tarot des anges gardiens. Et on va voir un petit peu le petit message pour ce week-end. Un petit conseil, un petit message. Alors, on a le gardien de la prospérité qui vient vous porter ce message. Le succès est de mise. Donc, durant ce week-end, on vous parle de succès. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Donc là, tous vos projets se déroulent comme il se doit. On parle d'opportunités qui ne se refusent pas, qui vont se présenter à vous sur le plan professionnel. Donc là, vous allez avoir des opportunités durant ce week-end. On vous dit que c'est vraiment des opportunités qui ne se refusent pas. Et ça se présente à vous par la forme du professionnel. Par cette carte, ça représente une personne. Vous, peut-être, qui a un poste à responsabilité. Donc, vous pouvez être une personne ayant un poste à responsabilité. Vous êtes intègre. Et vous aimez travailler dur. Et là, il y a une personne qui aime travailler dur. Il y a des opportunités. Et on vous dit de ne surtout pas refuser ces opportunités qui arrivent vers vous. Voilà. On va prendre... attendez, je réfléchis. Ah oui, c'est ça. Un petit message. Allez, un petit message d'amour et de lumière. On y va. Un petit message d'amour et de lumière à transmettre pour ce week-end, s'il vous plaît. On vous dit donner une chance à la paix. Merveilleux message. Et on vous dit aussi de laisser votre lumière, laisser briller votre lumière intérieure. Très très beau. Et le petit message de la fin. On va prendre un petit message d'amour de Jésus. Et on va voir le petit message qui va vous accompagner durant tout ce week-end. Un petit message s'il vous plaît. Alors on va terminer... avec un message des anges. Ah!
Alors, on vous dit que vous êtes la lumière du monde. Et on vous dit aussi de demander durant ces 3 jours. Ou alors, c'est tout ce que vous avez déjà demandé jusqu'à maintenant, vous allez le recevoir. Et en fait, vous allez recevoir tout cela pour que votre joie soit parfaite. C'est beau, hein? C'est pas merveilleux tout ça? Allez, on y va, c'est parti. Celui-ci. Allez, petit message du murmure de nos anges. Et on va voir un petit peu les petits messages pour ce week-end. Alors, je le pose ici pour pouvoir lire. Alors, durant ce week-end, on vous dit de croire en votre pouvoir intérieur car vous possédez ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Donc, à l'intérieur de vous, vous possédez absolument tout. Ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. On vous dit aussi que pour obtenir la paix durant ce week-end, bah, il vous suffit d'y penser, penser la paix et la paix se manifestera. On vous dit aussi que chaque jour est un nouveau départ. Donc durant ces chaque jour est un nouveau départ. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple. Parfois, ce que tu cherches, donc vous allez peut-être chercher quelque chose, rechercher peut-être la paix. On vous dit déjà d'y penser. Pensez énormément à la paix. Plus vous allez penser à la paix, plus elle va se manifester. Parfois, vous cherchez aussi peut-être quelque chose de simple, que de rester tranquille et concentré. Il va falloir que vous soyez tranquille, concentré durant ce week-end. Et peut-être aussi aller dehors, profiter d'aller dehors au milieu de la nature pour vous enraciner, recentrer votre âme. Et vous allez peut-être durant ce week-end surmonter aussi des problèmes, peut-être des problèmes qui sont bloqués. Vous allez résoudre, résolver en fait des problèmes. Et on vous dit aussi de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'il y a des choses qui vont se transformer, se débloquer pour moi. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bien. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Moi, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!